Ça va, Alicia, tu vas bien? Ça va bien, et toi, ça faisait longtemps? Ouais, ça faisait longtemps. Et ouais, les célébrités de retour après 3 mois. 3 mois d'absence. J'espère que vous êtes impatients de vivre ce moment avec nous. J'espère que tu as passé une bonne semaine, Alicia. J'ai passé une bonne semaine, et toi? Et vous avez passé une bonne semaine? C'est bien, ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous êtes content d'être ici pour célébrer ce sabbat, ensemble? Oui? Ok, gloire à Dieu. Alors du coup, je suis Jean-Michel René de l'église de Paris Sud-Est, accompagné aujourd'hui de Alicia. Aussi de l'église de Paris Sud-Est, et nous serons aussi les présentateurs de cette édition de Les Celebrate aujourd'hui à Bagnolet. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Les Celebrate, Alicia? Alors, Les Celebrate, il a été créé en 2020. C'est un ministère qui a été pour but de célébrer le sabbat, ce moment de repos, et surtout notre Dieu. Il se fait tous les 4e vendredis du mois, en live, et aussi, du coup, dans notre église. Et ce soir, on est accueillis par l'église de Bagnolet. On les remercie chaleureusement. Alors, pour débuter ce moment, je vous invite à vous tenir debout et nous allons prier. Père éternel, je te remercie pour ce privilège que tu nous donnes de venir ici, dans ton temple, ce soir, pour t'adorer, te louer, te célébrer. Merci parce que nous avons pu venir. Attelez les pas des personnes qui n'ont pas pu, qui sont un peu en retard, et celles qui sont présentes aussi sur YouTube, sois avec elles, bénis-les abondamment et permets que ce moment soit riche et que nous puissions ressortir grandis, forts en toi et que nous puissions t'aimer davantage. Pardonne tous nos péchés et conduis-nous sur le chemin de la vérité. Je te prie dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Donc, Let's Celebrate est fait en 3 temps. On va avoir tout d'abord un temps de louange, ensuite un temps de témoignage et pour finir un temps de prière. Alors, nous allons donc commencer par le temps de louange. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons le groupe CLA Corporation. Merci à vous d'être avec nous. Donc, ça veut dire cœur de louange et d'adoration. Alors, c'est une association qui regroupe plusieurs chantres et musiciens. Et elle a été créée en 2018 par Yannick et Ingrid Benmister. Donc ce groupe a vocation à mettre en valeur les compositions donc, de Yannick et d'Ingrid. Et ce soir avec nous, nous avons donc Willem, Isabelle, Nathalie, Maddy et Ingrid, si j'ai bien retenu. Okay. Du coup, si vous voulez les suivre, n'hésitez pas, ils sont présents sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Sur Instagram et YouTube. Voilà, très bon moment à tous. Alors, bonsoir à tous. Comme ça a été dit, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. La CLA et moi-même, nous sommes vraiment très heureux de partager ce moment avec vous. Et nous allons commencer tout de suite ce temps de louange avec un chant de sabbat. Pardon. Alors, on aurait pu choisir un chant de sabbat classique, du style joyeusement ou reposez-vous. Mais on a décidé d'innover et de vous proposer un chant que nous avons composé pour l'occasion et qui s'intitule « Sabbat ». Donc nous allons commencer à le chanter à l'unisson et vous allez ensuite le prendre avec nous. Et vous allez, s'il vous plaît, chanter bien fort parce que moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de voix, mais je sais qu'avec vous, nous pouvons faire une chorale superbe. On commence ensemble « Sabbat » à l'unisson. Sabbat. Sabbat.
Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire. Oui, nous célébrons ton nom en ce précieux jour de sabbat. Nous voulons t'adorer, nous voulons louer ton nom. Faites-le avec nous. Unis par cet amour, amen. Nous désirons t'offrir le meilleur de ce qu'il y a en nous. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Cet amour, nous désirons t'offrir le meilleur de ce qu'il y a en nous. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ton nom en ce jour où nous venons vers toi. Unis par cet amour, nous désirons t'offrir le meilleur de ce qu'il y a en nous. À Dieu pour ce temps de sabbat. Alors dites merci avec nous. Merci Seigneur pour chaque chose que tu fais dans nos vies. Merci. Et quand nous songeons Seigneur à toutes ces choses que tu fais, nous sommes remplis de reconnaissance, n'est-ce pas Madi? Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette semaine, pour ce sabbat. Reçois, ô Dieu, toute ma reconnaissance, toute notre reconnaissance en ce soir. Toi, Seigneur, est digne de recevoir ma louange, mon chant des profondeurs de mon cœur. Seigneur, je fais monter ce cri de reconnaissance, cet élan de louange. Oh, oh, oh. Qui d'autre que toi, Seigneur, recevoir ma louange, mon chant des profondeurs de mon cœur. Seigneur, je fais monter ce cri de reconnaissance, cet élan de louange. Ah, ô Dieu, reçois les accents de mon cœur, cette folie qui m'agite quand je crie gloire à toi. Pour l'éternité, veux m'aimer des profondeurs de mon cœur. Seigneur, je fais monter ce cri de reconnaissance, cet élan de louange. Oh, oh, oh.
Que nous t'appartenons, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui nous aimais déjà avant même que nous soyons nés. Nous voulons déclarer que nous t'aimons et que nous t'appartenons, Seigneur. Abba Père. Je suis à toi.
saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité, saisi par l'immensité de ton amour. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Savoir que tu es notre refuge, tu es notre sûr-abri. Merci, Seigneur, pour ça. Nathalie, tu nous introduis. Jésus, mon sauveur.
tu es si bon pour moi, que ta grâce ranime ma voix. Oui, ta grâce me remplit de joie. Oui, ta grâce me remplit. Gloire à Dieu. Merci pour ces si belles voix. Nous avons été touchés. Et que Dieu bénisse votre ministère, c'est à la corporation. Nous allons continuer avec un temps de témoignage. Ouais. Nous allons inviter du coup Laurie à me rejoindre pour ce moment de témoignage. Laurie qui vient de Puisieux-Pontoise. Puisieux-Pontoise. Bienvenue à toi Laurie et bon courage. Qui est éducatrice spécialisée. Bonsoir à tous. Alors, du coup, moi, c'est Laurie. J'ai 24 ans. Je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant 2 ans. Du coup, mon témoignage, ça va être plus sur le sujet de du lâcher-prise. Donc, du coup, je vais commencer justement sur le fait que, bah, du coup, après mon diplôme, j'ai travaillé en foyer d'enfance à la suite de mon stage que j'ai effectué. Et du coup, en fait, je suis arrivée dans des conditions de travail où justement l'équipe n'était pas stable. Le chef de service, il en changeait tous les 3 à 4 mois. L'équipe de travail aussi se modifiait tous les 5 mois. Et du coup, je suis arrivée justement dans ce service avec toutes ces conditions-là. Et en fait, en même temps, dans ma vie, c'était assez compliqué. Mais je me suis dit, il faut que je me forme et il n'y a que là que je pourrais me former en tant qu'éducatrice spécialisée pour après voir où je pourrais partir après le foyer. Donc du coup, j'ai continué justement mon stage, j'ai eu mon diplôme et après justement, il y a eu la période du Covid où c'était une facette de ma vie où c'était vraiment très compliqué parce que du coup j'habitais encore chez mes parents dans le 60. J'effectuais mon stage à Paris, dans le 20e. Et en fait, bah, du coup, quand on travaille en foyer pour l'enfance, on a des heures très variées. Donc on peut commencer de 7h du matin à finir 14h ou commencer à 16h et finir 22h30. Donc vous imaginez justement le temps de trajet pour rentrer chez moi. Et j'avais pas forcément de logement, donc du coup j'habitais un peu chez mes grands-parents, un peu chez mes cousins, et des fois mon père il venait me récupérer à 22h30 au travail. Donc c'était vraiment une période de ma vie très compliquée pour moi parce que j'étais pas stable. Et du coup il a été décidé que j'aille habiter chez mes grands-parents, où j'ai vécu justement toute la période du Covid, mais j'ai aussi dormi du coup au foyer, où on avait des chambres en hauteur, où justement on pouvait dormir le soir parce que du coup il y a eu la perte du Covid, donc pas forcément de transport, etc. pour rentrer chez nous. Donc cette période a duré 5 mois à peu près, donc 5 mois où justement j'étais pas fixe là où je dormais, pas fixe dans mon travail, c'était très perturbant pour moi. Et après quand justement la période du Covid a fini, il a été décidé que j'habite chez mes grands-parents paternels. À la suite, ils m'ont pris en CDI. Donc, du coup, vous allez me dire, c'est très bien, on t'a pris en CDI après le CDD. Mais en fait, tout s'est enchaîné très, très vite. Parce que du coup, mon papy est tombé malade. J'ai vécu 1 an et demi avec lui. C'était très compliqué. Et au travail non plus, ça n'allait pas bien, parce que du coup, il y a eu un enfant en situation de handicap qui est arrivé. Et quand il est arrivé, vu que j'étais un peu nouvelle dans l'équipe et que du coup, c'était ma première référence,
On m'a dit, bah, Laurie, ça sera toi qui vas accompagner ce jeune homme. Sauf que quand j'ai eu mon diplôme, je me suis toujours dit que les enfants en situation de handicap, c'est un public que j'arriverai pas forcément à accompagner parce que je me trouvais pas assez compétente pour les accompagner. Donc du coup, quand on m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire pour accompagner ce jeune, sachant tout son passif, son historique familial qui a fait qu'il l'a amené justement au foyer. Je me suis dit, Laurie, comment tu vas faire pour l'accompagner? Mais du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, on va bien voir comment ça va se passer. Il s'avère que c'était très, 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 très compliqué parce que du coup, on n'avait pas forcément de diagnostic pour dire qu'est-ce que l'enfant avait. On savait que la moindre frustration pouvait l'emmener en situation de crise. Donc ça va être par morsure, par coup, par crachat, enfin tous les aspects un peu d'un enfant un peu trisomique, mais bipolaire, parce que du coup, bah, des fois il allait très très bien, des fois ça allait pas. Et en fait, vu que j'étais sa référente dans le foyer, en fait, toute sa colère, toutes ses frustrations étaient portées sur moi. Donc ça veut dire que bah, c'était, quand il était en crise, c'était sur moi que l'enfant bah, pouvait me frapper, me taper, et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, au début, ça allait parce que je me suis dit, Laurie, c'est pas grave, il est malade, t'es là pour l'accompagner, on va trouver une solution en équipe, on va trouver une solution avec la hiérarchie, ça va aller. Un mois passe, deux mois passent, trois mois passent, cinq mois passent, six mois passent. Et la situation bah, monte crescendo en fait, où c'est tous les jours, vraiment tous les jours, que l'enfant, bah, du coup, je viens au travail, c'est, bah, du coup, je arrive au travail la boule au ventre en me disant, ouais, Laurie, tu vas te faire encore frapper au travail, quoi. Et en fait, c'est arrivé tel que justement, bah, mon corps réagissait justement à cette angoisse d'arriver au travail. Je faisais des crises d'urticaire, je faisais des crises d'angoisse, je faisais des insomnies. Et à côté de toute cette situation dans mon travail, bah, la santé de mon papy se détériorait. Et en même temps, on a appris qu'il avait le cancer. Le cancer au stade 4. Donc ça veut dire que bah, ses jours étaient comptés, malheureusement. Et du coup, pendant tout cela, bah, j'étais chez lui. Et j'ai pu trouver un appartement en même temps. Donc il y avait des jours où il y avait des bonnes nouvelles, il y avait des jours où il y avait des mauvaises nouvelles. Et toute cette période-là, bah, en fait, ça a duré presque 6 mois. 6 mois où genre, bah, ma santé mentale se détériorait parce que je pensais à la santé de mon papy, je pensais aussi justement à ma situation au travail et j'arrivais plus à prier parce que du coup je me disais, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, tu vois ma situation et je te vois pas. Je te vois pas et j'ai besoin de toi à ce moment-là vraiment précis dans ma vie en fait. Je sais pas si j'en voulais à Dieu, mais j'attendais juste qu'il agisse dans ma vie parce que j'en avais vraiment besoin et j'avais l'impression que je touchais le fond parce que ma situation ne se réglait pas et je ne trouvais pas de solution. Du coup, pendant tout cela, toute ma réflexion auprès de ma vie spirituelle, auprès de Dieu, bah, du coup, ma situation ne changeait pas. Et je commence à en parler autour de moi, donc du coup j'en parlais à mon fiancé qui était très présent auprès de moi, ma famille, mes amis. Et j'ai eu une discussion avec un ami très proche qui s'appelle Odell et il me disait, mais en fait Laurie, je pense que là tu es en train de clairement de vivre ton épreuve de feu en fait, où là Dieu te demande de lâcher prise, de t'abandonner à Dieu clairement, parce que là ça ne sort plus de ton ressort en fait. En tant qu'humaine, tu ne peux pas agir. Là, il n'y a que Dieu qui peut te montrer ce que tu dois faire. Et du coup, je lui disais, mais est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que c'est le moment là en fait pour que je démissionne parce que, enfin, j'ai un loyer à payer quoi, j'ai des charges, je suis toute seule, je fais comment? Et il me dit, mais il n'y a que Dieu qui pourra te donner la solution. Parce que en même temps, je travaille là, je sais que c'est Dieu qui me l'a donné parce que j'ai prié vraiment. Et au moment où justement je n'avais plus d'espoir, bah, j'ai eu la réponse au dernier moment où j'avais fini une prière. Et au même moment, on m'a appelé pour me dire, Laurie, t'es prise dans tel poste à tel endroit. Donc j'ai eu cette réflexion-là et du coup, j'ai prié.
Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je puisse quitter justement ce travail-là, malgré justement tout ce qui va s'en suivre par rapport à mes responsabilités, etc., fait que justement j'accepte, parce que c'est la chose la plus dure, je pense, que j'ai dû à faire, prendre ce choix-là, d'accepter ma situation, de me dire, Laurie, là, tu ne peux pas, tu n'y arrives plus. Donc mets ça entre les mains de Dieu et laisse-le agir. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Dieu de m'aider justement à accepter la situation et de me montrer ce que je devais faire. Donc, je crois 2 semaines après, j'ai commencé à quand même chercher sur Indeed justement d'autres offres d'emploi pour imaginer si je démissionnais. J'en ai commencé à parler à mon chef de service en lui disant que justement je pensais partir parce que la situation ne me convenait plus, alors que je lui avais bien expliqué tout ce qui s'en suivait, que je n'y arriverais plus avec cet enfant, que la référence je voulais la donner à un autre éducateur, que moi je voulais arrêter justement de le suivre parce que j'y arrivais plus. Et en fait c'était un dialogue de sourds, il n'entendait pas ma détresse en fait. Et il ne voyait pas non plus que j'attendais justement qu'il puisse m'aider et me donner une solution à mon problème. Et au lieu de ça, il m'a dit, ben en fait, c'est ta posture professionnelle que tu dois affirmer. Sauf que ce n'était pas du tout ce que j'avais besoin d'attendre. Et ce n'était pas ce que j'avais besoin. Donc du coup, j'ai dit, bon, déjà, c'est une réponse à mes prières, je pense. Donc du coup, j'ai continué mes recherches de travail. Et en même temps, mon papy, il est mort, malheureusement. Donc du coup, c'était pas le moment de trouver de rechercher un nouvel emploi. J'avais pas ça en tête. C'était très compliqué justement pour moi ce deuil, parce que du coup j'ai vécu 1 an et demi avec mon papy. J'étais très très proche de mon papy et c'était vraiment très compliqué d'accepter cela. Et du coup ça se rajoutait justement à mes réflexions. Et à un moment donné, il m'est arrivé un problème de clé que j'ai oublié. Et en fait, la directrice m'a carrément envoyé bouler en disant que bah, c'est toi qui as oublié tes clés, il n'y a pas de solution pour toi. Donc, il était 1h du matin, j'étais bloquée à la gare. Et elle m'a dit, bah, en fait, je peux rien faire pour toi. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, j'étais pratiquement à rester, à dormir dehors. J'ai trouvé une solution, Dieu merci. Mais je pense que c'était des réponses à mes prières pour me dire, Laurie, c'est plus le moment pour toi de rester là. Donc du coup, j'ai prié, j'ai fait ma lettre de démission et j'ai démissionné. Je vous avoue, j'étais pas sereine du tout, parce que je me suis dit, combien de temps je vais trouver un nouvel emploi, combien de temps je serai où j'irai, et est-ce que là où j'irai, ça sera mieux, et où je veux aller surtout, parce que du coup, pour moi, je suis sortie de la formation. Je me suis dit, vas-y, let's go, je vais rester dans le foyer, dans la protection de l'enfance. Et pas du tout. En fait, dès que j'ai fait ma démission, 1 semaine après, on m'a appelé pour me dire, bah, Madame Bonine, vous avez retenu notre attention sur votre candidature. Et là, maintenant, en fait, je suis dans le relogement social. Ça fait depuis le 22 août que je suis dans le relogement social. Je suis très bien, je suis très épanouie. Et ça se passe très, très bien. Donc en fait, c'était vraiment pour vous dire qu'il y a des situations dans vos vies où vous ne trouvez pas forcément la solution en fait à votre situation. Et c'est à ce moment-là en fait où je pense que Dieu nous demande à lâcher vraiment prise, à vraiment se dire, là Dieu, j'ai besoin de tout mettre entre tes mains et c'est à toi de gérer la situation. Du coup, voilà. Merci Laurie pour ton témoignage qui nous invite à persévérer et à toujours tout remettre entre les mains du Seigneur. C'est lui qui a la solution à nos besoins, à nos soucis et c'est lui qui pourvoit toujours à nos besoins. On passe à un deuxième temps de témoignage et je vais inviter Samantha à nous rejoindre. C'est l'église de Plus de Pontoise qui a l'honneur aujourd'hui et du coup elle nous vient aussi de l'église de Pontoise. Bienvenue à toi Samantha. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, si je vous dis Dieu est bon, qu'est-ce que vous répondez ? En tout temps. En tout temps ? Est-ce que vous en êtes convaincus ?
Absolument. Ok, très bien. Moi aussi, j'en suis convaincue. Alors, je m'appelle Samantha, alias Sam, hein, pour ceux qui me connaissent, notamment sur mon compte Sam et ses aventures, où je raconte mes différentes aventures, notamment avec le Seigneur. Je suis maman d'une meute, je vais vous raconter pourquoi tout à l'heure. Et je suis travailleur social, d'ailleurs, comme Laurie. Mais voilà, je suis agent de la fonction publique. Cette année, Dieu m'a mis à cœur de créer une académie. Donc, je suis fondatrice de l'académie OSE. OSE Academy, c'est un centre de relations d'aide et d'apprentissage. Et j'ai commencé à accompagner des personnes alors que j'étais encore à temps plein au sein de la fonction publique, et ça devenait lourd. Et je dis, Seigneur, écoute, si tu veux que je prenne vraiment soin de tes enfants, de toutes ces âmes que tu mets sur mon chemin, il faut que je m'oriente vers autre chose et que tu m'ouvres la voie vers un poste qui me permettra d'avoir plus de temps pour me consacrer à cette académie. Donc, j'ai postulé pour rechercher un autre emploi, un emploi à temps partiel, et j'ai pris la décision de partir en disponibilité. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on est fonctionnaire, on a la possibilité de partir en disponibilité, mais on se retrouve donc sans indemnité et sans salaire. Donc, il fallait absolument que je retrouve un emploi. Donc, avant mon départ, j'ai recherché un emploi, j'ai été recrutée en juillet. Donc, on m'a demandé de transmettre mes différents documents pour constituer le dossier en m'indiquant que je recevrais mon contrat de travail à la fin du mois de juillet. Sauf que sur mon ancien poste, le mois de juillet était hyper compliqué. Les situations étaient très complexes et je n'ai pas vu le temps passer. Donc, en août, je me suis dit, mais il me semblait que je devais recevoir un contrat de travail, mais je ne vois rien dans ma boîte à mail. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, là, Seigneur, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Malheureusement, l'endroit où je devais être recrutée était fermé. Donc, j'ai dû attendre la deuxième quinzaine du mois d'août pour pouvoir les contacter. Personne ne répondait au téléphone que j'avais et personne ne répondait à mes mails. Je me suis dit que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose que j'avais peut-être raté. Donc j'ai attendu septembre, et en septembre, début septembre, je me suis déplacée, et là, voilà, j'ai une personne qui m'a reçue à l'accueil, qui ne m'a même pas laissé aller à l'étage, là où j'avais été reçue lors de l'entretien, et qui revient en me disant, bah, écoutez madame, vous démarrez le 15 septembre. Ok, pas de souci, vous serez affectée à tel endroit. D'accord, pas de souci, mais quand je recevrai ce fameux contrat? Parce qu'il faut quand même que je signe un contrat, que je vois aussi si les conditions de travail me conviennent. Donc, quand je le recevrai? Oh, ne vous inquiétez pas, vous le recevrez dans les jours qui suivent. Dans les jours qui suivent, j'attends patiemment et je ne reçois toujours rien. Pas de contrat. Je continue à appeler, pas de réponse. J'envoie des mails, pas de réponse. Dans la foulée, mon fils se fait voler son vélo. Pas d'emploi, l'enfant se fait voler son vélo. Je me dis, Seigneur, là, c'est une blague. C'est une blague. Il me semblait qu'on avait fait un deal tous les deux, et là, je ne comprends plus rien. Donc, bien sûr, j'ai continué à exercer dans l'académie, ça se passait très bien, donc j'ai fait, en fait, ce que je devais faire. J'ai vraiment tenu à rester fixée sur la mission que Dieu m'avait confiée, mais mon cœur commençait à s'emballer. Arrivée au 10 septembre, je me suis dit que je n'allais pas rester dans cette situation. Grâce à Dieu, les mois précédents, j'avais quand même constitué une épargne de précaution. Et cette épargne me permettait quand même de payer mes charges au mois d'octobre, mais pas toutes mes charges. Et là, j'ai dit, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, je ne sais pas comment on fera pour se débrouiller. Pour moi-même, je ne m'inquiétais pas plus que ça, mais c'est surtout pour mon fils, en fait, que je m'inquiétais. Je me disais, mais comment je vais faire pour subvenir aux besoins de l'enfant? Là, je ne peux même pas toucher à mon épargne pour lui acheter un vélo, puisqu'on ne sait pas si au mois d'octobre, je serai de nouveau en emploi. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui cloche et je ne vais pas rester sur cette voie-là. Cet employeur ne me répond plus. Ça ne sert à rien que je m'acharne. Je vais chercher ailleurs. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge et que je trouve des solutions. Donc, je me suis inscrite dans des boîtes intérim. Vous savez, lorsque le plan ne fonctionne pas, on remet en doute tout ce que Dieu nous a dit et on se remet même en question. On se dit, mais
C'est pas possible. Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière, que je retourne sur mon poste? Là où j'avais déjà fait le deuil, c'était très compliqué pour moi. J'ai fait le deuil, on a fêté mon départ, on m'a offert mon cadeau. Youhou, je reviens! Non mais c'est la honte en fait, j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que pour moi, j'avais déjà tiré un trait sur cet emploi-là, donc j'avais vraiment plus envie. Mais voilà, j'étais tiraillée en fait entre ben, t'es fonctionnaire, t'as qu'à dire à ton employeur que tu reviens ou ben, tu prends le temps ben, de te construire, de déconstruire tout ce que t'as appris jusqu'à maintenant, d'accepter aussi ben, que cet employeur finalement, ben, il a tiré un trait sur toi et d'aller de l'avant. Donc je me suis inscrite en boîte intérim et là j'ai vraiment pris une claque d'humilité. 5h du matin, je me réveillais pour aller faire des missions et je me retrouvais parmi des étudiants, des personnes à la retraite. Des personnes à la retraite ben, qui avaient besoin de compléter leurs revenus. J'ai aussi fait du ménage et je pense que c'est là où je me suis dit « Seigneur, je ne veux plus être vue, en tout cas mon identité ne sera plus attachée à un titre, mais à la mission que tu me confieras ». Et quand je suis allée faire le ménage, j'avais cette petite voix, vous savez toujours ces petites voix qui viennent. Une fonctionnaire, tu te retrouves à faire du ménage, mais t'es tombée bien bas. Franchement, regarde où tu es maintenant. Mais vous n'imaginez même pas à quel point j'étais contente à chaque fois qu'on me disait « Mais impérial, tant pis, on a une mission pour vous ». J'étais tellement contente parce que c'était une occasion de travailler, c'était une occasion de rencontrer des personnes, mais c'était aussi une occasion de faire rentrer des sous, en fait, à la maison. Et ça me réjouissait parce que même mon fils, il commençait à s'inquiéter. Il m'a toujours connue en travaillant. Et un jour, il m'a dit bah, « J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps quand même. J'ai peur que tu t'habitues à ta situation. » Je lui ai dit « Non, t'inquiète pas, je vais tout faire pour retrouver un emploi, peu importe. » Et pendant ce temps-là, je vous avoue que mon ego a pris le dessus et je ne voulais pas retourner dans le social. Je voulais faire autre chose. Je me suis dit « Ça fait 14 ans que je suis dans ce domaine-là et j'ai l'opportunité de toucher à d'autres milieux, de faire autre chose, donc je vais faire autre chose. » Donc, j'ai décidé de changer mon CV, de mettre des compétences que j'avais développées pour faire autre chose que travailleur social. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et le 20 septembre est arrivé. Quand on est fonctionnaire, on est payé en général le 26-27. Donc, j'ai aussi cette habitude. Le 26 septembre arrive et je n'ai toujours pas de piste. Et j'avais parlé avec un frère en Christ et il m'a dit « Ne t'inquiète pas, tant que le 30 n'est pas arrivé, que Dieu n'a pas dit son dernier mot, le premier, tu verras, il y aura certainement quelque chose. » Le 30 arrive, il n'y a toujours rien. On rentre au mois d'octobre, je n'ai toujours pas d'emploi. Et là, je me dis « Seigneur, je n'ai rien d'autre à faire que de compter sur toi, je retournerai là où tu m'as toujours enseigné. » Et d'ailleurs, au mois de septembre, dans l'académie, nous avons travaillé sur le thème de l'identité. Et au cours de ce thème, j'ai moi-même travaillé sur mon identité et j'ai découvert que la signification de mon prénom était « celle qui est à l'écoute ». Et là, j'ai compris qu'en fait, que Dieu m'avait créé pour que je sois à l'écoute des autres. C'est là qu'il voulait que je sois et c'est là que je dois être finalement. Donc j'ai remodifié mon CV et ben, j'ai recherché du boulot dans le social. Et là, ça a été très vite. Par contre, les différents postes qui étaient proposés ne correspondaient pas forcément à ma situation familiale. Voilà. Comme Laurie vous l'a expliqué, on peut tomber sur des postes de 8-20 ou de 14-22. Ce ne sont pas des postes qui me correspondaient, puisque bon, je ne voulais pas non plus laisser mon fils trop longtemps seul à la maison, parce que peu importe l'emploi, ma priorité, ça reste ma famille. Et du coup, ben, je commençais à refuser, j'avais des opportunités, d'autres employeurs qui m'écrivaient en me disant ah « ben, on a recruté quelqu'un dont le profil correspond beaucoup plus au vôtre ». Et là, on prend vraiment des coups finalement, on se dit « mais c'est dur en fait de recevoir ça lorsqu'on est déjà dans une période où on doit garder son cœur, où on doit faire des efforts pour pouvoir tenir bon et garder le moral, et qu'on reçoit des mails négatifs, c'est très compliqué ». Et un jour, donc je continue à postuler, et un jour je tombe sur une annonce où il est noté
urgent, nous recherchons un travailleur social à tel endroit. Et c'est pas très loin de chez moi, parce que j'avais quand même des conditions. Hein. Je ne voulais pas aller à plus de 30 minutes de trajet, parce que sur mon ancien poste, j'avais la joie de rentrer à la maison le midi, mais là, bah, du coup, il fallait que je fasse aussi l'impasse sur ça. Donc j'ai postulé, une semaine passe, ils ne me répondent pas. Alors je me dis, mais je ne comprends pas, c'est marqué urgent, mais une semaine passe et personne ne me répond. Donc j'ai un petit peu forcé la porte en recontactant cet employeur en leur disant, écoutez, il semblerait que vous recherchez quelqu'un rapidement, moi je suis disponible de suite. Et deux jours avant qu'ils ne me proposent d'entretien, j'ai eu un rêve dans lequel mon fils et moi, on était baignés par des bulles de savon. Des bulles de savon nous transportaient. Et là, j'ai compris que la bénédiction allait arriver et ça m'a permis de me rattacher à toutes ces promesses que j'avais gardées dans mon cœur jusqu'à maintenant. Donc, je me suis présentée à cet entretien le matin et le soir, j'ai été recontactée par cet employeur qui me proposait de m'employer, de me recruter. Donc, ça, c'était le 10 et j'ai commencé à travailler du coup la semaine d'après. Et durant cette semaine-là, alors que j'assistais à ma première réunion, notre présidente nous indique par là que son fils, en tout cas la chienne de son fils, a eu des petits chiots et que son fils veut donner ses chiots, il ne veut pas les garder. Son fils habite dans le sud et je savais combien mon fils désirait avoir un chien depuis longtemps. On a eu une lapine qui est décédée l'année dernière et le deuil a été hyper compliqué parce qu'il était très attaché. Cet enfant est passionné, passionné des animaux. Alors je lui ai dit, écoute, je pense qu'on va en prendre un. Et il faut savoir que moi, jusque-là, j'avais une phobie, par contre, des chiens. Et que c'était un challenge pour moi de dire oui pour mon fils, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer par rapport à moi. Et du coup, la semaine d'après, son fils nous a proposé de nous ramener ce chiot. Il a fait la route de Serrano à chez nous dans le 95 pour nous ramener le chiot et nous l'offrir. Nous n'avons rien eu à débourser, sinon l'entretien de ce chiot. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis maman d'une meute, parce que maintenant, nous avons un petit chiot parmi nous qui me considère comme sa maman, mais c'est mon fils son maître malgré tout. Vous savez, quand Dieu décide que ce sera son plan qui se réalisera, il faut croire jusqu'au bout que ce qu'il dit, il l'accomplit. Il faut croire jusqu'au bout que malgré les circonstances, la mission reste la même. Donc attachez-vous à cette mission. Demandez-lui d'ailleurs, mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et assurément, il vous répondra. Merci Samantha pour ce... Merci Samantha pour ce moment de témoignage. Et du coup, on va continuer ce moment de louange avec un dernier chant. Nous vous invitons à continuer avec nous, avec ce chant de louange, cette prière, cet auprès de Dieu que je veux me tenir alors que nous commençons ce sabbat ensemble. Venons devant le trône de l'Éternel. N'hésitez pas à vous exprimer, nous sommes en famille, nous sommes ensemble. Même vous qui êtes en ligne, participez avec nous. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le
avec nous. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Tout l'amour qu'il a pour si moi. Si tu sens l'amour de Dieu, alors chante avec nous. Je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je Merci beaucoup, gloire à Dieu. Alors les célébrés, comme vous le savez aussi, c'est un temps de prière. Et voici venu donc le moment de prière. Et j'invite le pasteur Martial Henry à venir nous rejoindre pour le temps de prière. Bienvenue à toi. Bonsoir à chacun, j'espère que vous êtes en forme. Début de sabbat, on est bien, parfois on est fatigué. Et nous allons passer un temps particulier, un temps spécial dans la prière. Je me dis toujours personnellement que je ne prie pas suffisamment. C'est personnel et pourtant vous allez me dire « Ouais, mais les pasteurs, comment ça, ils ne prient pas suffisamment ?» Tout ça parce que vous et moi, nous avons vraiment besoin d'une connexion particulière avec le Seigneur. Et... Sincèrement, je vous dis que si nous mettons l'accent sur cette relation particulière avec Dieu, au travers de la prière, nous verrons des choses extraordinaires dans nos vies. Parce que Dieu nous fait, comme je le dis souvent, des clins d'œil. Là où parfois on ne s'attend pas, il nous dit « T'inquiète, je suis là ». Et même si on traverse des moments difficiles, et c'est probablement le cas pour un certain nombre de personnes ici ce soir, parce que je ne connais pas vos vies, j'ai entendu des petits soucis au niveau professionnel, parfois ça peut être de gros soucis au niveau professionnel, avec la banque qui toque, avec le bailleur qui vous dit « alors vous payez quand votre loyer ?» Il y a deux éléments que j'aimerais vous inviter à voir avec moi. D'abord, oui, prier, mais deux, Dieu a mis en place une église. Ça sous-entend quoi ? Qu'aucun membre de son église, je ne parle pas d'une communauté, hein, de son église ne doit lutter tout seul dans son coin. Faites appel à des amis, faites appel à votre pasteur également, exposez-lui la question, le problème, et ensemble, probablement, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour vous accompagner. Ne restez surtout pas dans votre coin tout seul, et ça c'est important. Je vous le dis parce que j'ai eu l'occasion de croiser pas mal de personnes, voilà, qui ont des soucis particuliers mais qui ne disent rien. Et ils prient, 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 prient. C'est bien de prier. Mais encore une phrase que j'utilise très souvent, prie mais agis aussi. Si tu ne fais que prier, et d'ailleurs je cite ici Madame Ellen White, si tu ne fais que prier, tu cesseras de prier.
Pourquoi ? Parce que finalement, ça ne va rien donner. J'aimerais d'abord voir avec vous cette première question et vous poser la question, pourquoi vous voulez prier ? Pourquoi vous priez ? Pourquoi je prie ? Pourquoi ai-je envie de prier ? Et il y a une histoire dans la Bible qui est formidable, je vais la paraphraser parce que je ne veux pas m'étendre, ce n'est pas une prédication non plus. Luc chapitre 11, alors je vous rappelle que Luc, l'évangile de Luc, Luc n'est pas un disciple, ça marche, ce n'est pas un disciple, donc il n'a pas suivi Jésus pendant ses 3 ans et demi, mais il va néanmoins faire des enquêtes et écrire son évangile. Et Luc nous raconte au chapitre 11 de son évangile de Luc, à partir du verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Il ne s'embête pas à savoir où Jésus priait, mais en tout cas il nous dit que Jésus priait en un certain lieu. Et lorsqu'il acheva sa prière, un disciple, remarquez encore, un disciple, on ne sait pas lequel, un disciple, va l'interpeller pour lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais le disciple, ce disciple, va rajouter quelque chose de formidable. Enseigne-nous à prier, Seigneur, toi le maître, mais comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça sous-entend. Pas toi, le maître, enseigne-nous à prier et tout court. Non, 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 on veut prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mais Jésus, il est sage. Il va dire, d'accord, vous voulez que je vous enseigne ça ? Pas de problème, je vais vous enseigner ça, puisque c'est ce que vous voulez. Et c'est ici que Luc va reprendre les paroles du Notre Père. Mais pour ceux qui maîtrisent un peu les deux textes, Matthieu et Luc, il manque une partie. Il manque une partie dans le Notre Père de Luc, qui est reprise dans le livre de Matthieu. Alors ce disciple, qui c'est ? On ne sait pas, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Et d'ailleurs, c'est une méthode de lecture de la Bible. À partir du moment où on n'identifie personne, on dit quelqu'un, un disciple, ça peut être moi. Donc vous pouvez mettre votre prénom à la place. Moi, je m'appelle Martial et j'ai envie d'interpeller le Seigneur ce soir. Seigneur, enseigne-moi à prier. J'aimerais que nous puissions avoir ce premier temps de prière où je vais prier pour vous qui êtes présents. J'aurais pu demander vos sujets de prière, mais je crois que le Seigneur a la capacité de lire instantanément dans l'esprit de tout chacun. Et c'est formidable. Donc vous êtes, allez, si je suis bon, hein, une centaine. Je suis généreux, c'est ça? Dieu a la capacité de lire dans l'esprit de 100 personnes en même temps. Est-ce que vous voulez qu'il vous enseigne à prier? Je vais simplement vous demander de garder votre position, restez là où vous êtes. Prenez un temps, respirez bien profondément par le nez, soufflez bien par la bouche. Et disons-nous que nous sommes en présence de Dieu lui-même. Et je vais donc être votre intermédiaire. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, de cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble pour t'interpeller pour nos vies, pour nos situations délicates. Mais avant tout, Seigneur, nous voudrions que tu puisses nous enseigner à prier. Nous ne voulons pas le faire comme ce disciple l'a proposé, comme Jean l'a enseigné, mais nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui nous dise exactement ce qu'il faudrait que nous t'exprimions. Parfois, Seigneur, nous avons besoin de choses, mais nous voulons d'abord te demander une prière particulière, te faire une prière particulière. C'est que tu sois dans nos vies, c'est que tu sois le seul qui ait une importance. Merci de nous enseigner à prier et merci de nous permettre également de développer cette relation continuelle et étroite avec toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Voilà, j'ai voulu mettre ce premier accent parce que vraiment, je crois que Dieu doit nous enseigner à prier. Une deuxième histoire. Alors, vous me dites combien de temps j'ai, hein, Marc-Issier, tu me dis, hein, ok.
Okay. Une deuxième histoire, là aussi je vais la paraphraser, elle vient de l'évangile selon Marc. Marc n'est pas un disciple non plus. C'est intéressant, on n'a que des évangiles, mais finalement, ils ne sont pas disciples. Mais c'est intéressant parce qu'il va se passer quelque chose de formidable. Un homme a un enfant malade. Et donc, du coup, il a l'opportunité de s'adresser aux disciples du Christ. Je vous rappelle, Matthieu nous dit que tous les disciples, y compris Judas, avaient la capacité de chasser des esprits, de guérir, de ressusciter, de faire plein de choses. Et c'est génial, cet homme se dit « Ok, je suis au bon endroit parce que les disciples sont là. » Et il va donc ramener son fils pour que finalement les disciples puissent faire quelque chose. Alors je suis dans l'évangile selon Marc au chapitre 9 et je vais vous lire un court passage. Un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelque lieu qu'il se trouve, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Là, les disciples vont se prendre une volée de bois vert. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on lui emmena le jeune homme. Et c'est ici que ça devient intéressant. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Et Jésus dira au Père, « Depuis combien de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui répondit, « What ? J'ai pas bien entendu. T'as dit quoi, là ? Si tu peux ? » Et Jésus va lui dire, « Tout est possible à celui qui est quoi ?» Très souvent, comme cet homme, on respecte la souffrance depuis l'enfance, son fils a des difficultés et chamboulé par l'esprit mauvais. Et je nous rappelle, nous qui sommes croyants, que l'esprit non plus ne rigole pas avec nous. Il va préparer des choses. Il ne va pas forcément vous posséder, ne vous inquiétez pas. Mais il va préparer des choses pour que vous puissiez tomber dedans. Et puis c'est après on dit « Ah, si je savais !» Non, nous ne savions. Parfois, on fait des choix. Mais Seigneur, si tu peux faire quelque chose, et peut-être que ce soir, vous avez un problème particulier, que ce soit au niveau professionnel, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit au niveau santé également, on croit, mais voilà, c'est difficile. Et d'ailleurs, cet homme va dire... oui, d'accord, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est curieux, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. En fait, mon frère, tu crois ou tu ne crois pas, là ? Je ne vais pas vous faire une prédication. Hein. Peut-être qu'un jour, quand je viendrai à Bagnolet, ce sera bien. Ce sera 45 minutes. Mais on se rend compte que finalement, parfois, on a du mal à saisir les promesses de Dieu. Et moi, je vous pose la question avant que nous puissions prier maintenant. Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous croyez que Jésus peut faire quelque chose de formidable dans votre vie ? Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas là non plus pour le commander. Il peut soit vous donner un soulagement, mais peut vous dire aussi comme Paul, « Ma grâce seulement te suffit. » Parce qu'il sait exactement ce dont vous avez besoin. Mais nous faisons des listes parfois. Alors j'entends quelques commentaires que voilà, j'arrive pas bien à entendre, mais bon, ok. Et là, les amis, j'aimerais vraiment d'abord que nous puissions voir dans ce texte un message d'encouragement. Je m'adresse à ceux qui sont malades, qui ont des maladies lourdes, parfois des maladies qu'on appelle invisibles. C'est-à-dire qu'on vous voit, vous souriez, mais en vous, vous savez que là, ça va pas, vous êtes secoué. Je m'adresse à vous ce soir. J'ai envie de vous dire, prenez courage.
prenez courage. Je ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour vous, mais il ne vous abandonnera jamais. Mieux que ça, il vous a promis, il nous a promis de mettre un point final avec ça. Ah ben oui, c'est vrai, on a envie que ce soit tout de suite. Je peux l'entendre. Mais ne restez pas encore, je le dis, ne restez pas tout seul dans votre coin en train de vous battre. Trouvez-vous un partenaire de prière quand les choses sont down, quand vous souffrez, quand là ça ne va pas. Passez du temps à prier pour que Dieu puisse vous relever. Pour ceux qui ont des soucis donc, de santé, pour ceux qui ont des soucis au niveau professionnel également, il y a un chant qui dit quand une porte se ferme, Dieu ouvre une fenêtre. Alors il faut être costaud si parfois pour passer par la fenêtre, c'est plus compliqué. C'est peut-être plus compliqué de passer par la fenêtre, mais il ouvre quand même une issue favorable pour ses enfants. Êtes-vous prêt ce soir à demander à Dieu de vous faire un clin d'œil? Je ne suis pas en train de prêcher finalement la réalisation de votre volonté. Je suis en train de dire que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Et c'est important. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. On a du mal avec ça, je sais, mais j'aimerais vraiment, les amis, vous encourager à ne pas baisser les bras, tous ceux qui sont malades, qui souffrent, qui ont des soucis, d'accord ? Que vraiment le Seigneur ce soir puisse vous encourager. Tenez sa main parce qu'il ne veut pas vous lâcher, hein. Il ne veut vraiment pas vous lâcher. Et si vous sentez que voilà, vous êtes un peu dans les vapes, appelez un ami. Appelez un ami, priez, appelez votre pasteur, priez, appelez un ancien, priez, appelez quelqu'un de confiance, priez. Et si vous avez envie de crier, physiquement, prenez votre oreiller et criez. Criez à Dieu. J'aimerais que nous puissions passer ce deuxième temps en prière. Et pendant ma prière, je vais garder un espace vide pour que vous puissiez faire monter à Dieu votre requête personnelle. Je ne la connais pas, donc je vais commencer avec vous. Et ensuite, je vais laisser un espace vide. Voilà, ce sera à vous de discuter avec votre Dieu. Et ensuite, je terminerai la prière en demandant à Dieu vraiment de nous bénir. Parce que c'est un jour de sabbat, parce que c'est un jour de fête aussi. Et il n'y a pas moyen qu'on sorte ici, on va faire comme Jacob. Il n'y a pas moyen qu'on sorte si tu nous es béni, Seigneur. Hein? Si vous êtes OK avec ça, mettez-vous debout, on va prier ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, tu es particulier parce que tes voies sont impénétrables, tu nous le dis dans le texte biblique. Mais nous voudrions, Seigneur, t'interpeller pour que tu sois pleinement d'abord, comme on te l'a dit, dans nos vies, Seigneur. Et nous voudrions aussi que tu nous pardonnes nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Tu nous aimes, nous le savons. Nous avons parfois du mal à le ressentir, parce que quand nous sommes souffrants, quand nous sommes dans les difficultés, nous te perdons un peu de vue. Seigneur, parce que tu es présent ce soir, j'aimerais te demander de pouvoir accueillir dans tes bras d'amour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont une difficulté, Seigneur. Notre souhait le plus profond, c'est qu'ils puissent trouver la guérison au nom de Jésus. Notre souhait le plus profond, c'est qu'ils puissent trouver un soulagement pour pouvoir dormir correctement au nom de Jésus, Seigneur. Notre souhait également pour ceux qui cherchent du travail, c'est que dès demain, ils reçoivent un texto avec un rendez-vous lundi. Mais nous ne voulons pas te commander. Et nous voulons totalement te faire confiance. Te faire confiance parce que nous souhaitons également calquer notre vie en fonction de ce que tu nous dis. Voilà un grand défi pour nous ce soir, Seigneur. Et j'aimerais, avec tous mes amis présents, que nous puissions vraiment faire comme Jacob, t'attraper et te dire face à face, Seigneur,
nous te laisserons pas aller tant que tu nous es béni. Alors nous allons peut-être te secouer, nous allons nous rouler par terre avec toi, nous allons peut-être crier dessus. Mais il faut vraiment, Seigneur, que ce soir, tu puisses nous entendre. Alors maintenant, Seigneur, alors que je vais me taire, je te demande d'accueillir toutes les demandes, les souffrances, les cris qui montent des esprits, des cœurs de tous ceux qui sont présents ce soir. Notre Dieu, tu as accueilli toutes ces demandes qui sont montées des cœurs sincères. Et nous voulons maintenant, Seigneur, alors que nous allons mettre fin à ce temps de prière, te demander de te lever de ton trône de grâce au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses disperser tes ennemis, que tu puisses nous briser également pour nous reconstruire à ton image. Merci pour les réponses, les clins d'œil que tu feras à ceux qui t'ont prié ce soir. Merci de ta présence dans nos vies et que nous puissions vraiment prendre conscience que cette culture de la prière est absolument nécessaire pour tout croyant. Merci pour ta grâce, merci pour Jésus et merci également pour ce bon sabbat que tu nous donnes. Que ta volonté soit faite dans nos vies, comme elle est faite au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié ce soir. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Les amis, j'espère que vous avez apprécié chaque moment, chaque instant et chaque seconde de ce moment que nous avons passé ensemble et que vous avez été bénis, édifiés et fortifiés par la grâce de Dieu, qu'une seule chose, une parole, un témoignage, un chant, une prière vous a touché particulièrement et que vous en ressortirez bénis ce soir. Je vous souhaite un très bon sabbat à tous. Merci d'avoir été si nombreux ici, si nombreux aussi, j'imagine, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et que ce sabbat puisse vous apporter paix, joie, bonheur, réconfort et libération. Que Dieu vous bénisse. Le prochain Let's Celebrate sera le 26 novembre et on vous invite, si vous voulez participer avec nous, dans l'organisation. Let's Celebrate recherche des volontaires, donc n'hésitez pas à vous manifester. Soyez bénis et continuez de briller pour votre Dieu. Amen. Alors avant de pouvoir partager avec vous notre dernier chant, je ferai un court témoignage, très rapide. Donc il y a une semaine, jeudi dernier, je suis descendue sur Paris pour un déplacement professionnel. Et je suis développeuse, donc je me déplace avec un ordinateur portable qui n'est pas le mien, qui est celui de ma boîte. Et donc c'est un déplacement de 2 jours, et donc je suis descendue jeudi. Et le vendredi, je devais remonter chez moi, à Lille, et donc prendre le TGV. Et là, la fatigue aidant, je suis descendue du train à l'arrivée, libre comme l'air, sans bagage et sans le PC de ma boîte aussi. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Ben, quand je suis retournée le chercher, il n'était plus là. Donc, j'étais plus ou moins paniquée et tout, fatiguée surtout. Et donc, j'appréhendais la reprise lundi parce que bon, il va falloir annoncer à mes responsables que j'ai perdu leur PC avec les données du client aussi. Par la suite. Donc, moi, je veux rendre gloire à Dieu parce que, non pas parce que j'ai retrouvé le PC, je n'ai pas retrouvé, mais
Dieu a permis que la semaine se passe très bien. J'ai eu des responsables et un client qui ont été très compréhensifs. Donc pour ça, je veux le remercier. Et donc les paroles du chant que nous allons chanter, c'est « Il est Dieu ». Il est mon Dieu, il est ton Dieu, et surtout, il se soucie de chacun de nos soucis dans tous les domaines de notre vie. Voilà, il est Dieu. Seigneur, je veux te louer. Oui, je veux te remercier pour tous tes bienfaits dans ma vie. Oh, 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 merci. Quand je m'égare, tu attends que je te revienne patiemment, puis avec ta douceur habituelle, oh, 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 tu me reprends, me disant que veux-tu que je ne puisse te donner. Crois-tu vraiment que ce monde se soucie de ta vie éternelle? Ouvre les yeux et regarde ceux qui comptent vraiment. Oui, ton Dieu est là. Il est Dieu.
poser une question. J'ai eu une demande, alors je te la pose. Il y a certaines personnes qui souhaiteraient qu'on reprenne sabbat. Alors, est-ce que ce serait possible? Oui. Alors, on va reprendre sabbat, ce nouveau chant de salutation que j'espère vous pourrez chanter aussi dans vos foyers. Vous l'avez appris tout à l'heure, alors je pense que ça va aller. Avec nous, à l'unisson, ça va. Seigneur, nous te rendons gloire, nous célébrons ton nom en ce jour où nous venons vers toi. Unis par cet amour, nous désirons t'offrir le meilleur de ce qu'il y a en nous. Nous te rendons. Cet amour.